Voilà, comme je l'avais pensé, la nuit a été relativement difficile à aborder. Les chaleurs étouffantes en pleine journée sont vraiment pas, rendent vraiment pas les choses évidentes. Et en plus de ça, j'ai encore des pêcheurs qui sont installés à ma gauche. Donc il y a pas mal de lignes à l'eau. Mais bon, j'ai quand même réussi à prendre un petit poisson sympathique cette nuit. Super, en superbe condition. Vraiment un joli poisson. Et là, ce qu'on va faire, au vu du nombre de lignes qu'il y a à l'eau, je pense qu'on va bouger. On va aller un petit peu sur le début du plan d'eau. Il y a pas mal de zones calmes, mais je pense qu'il y a pas mal de poissons qui devraient se tenir dans ces zones-là. Mais bon, c'est déjà un bon début et c'est un joli poisson, donc le plaisir est décuplé. J'essaye maintenant de faire les derniers paramétrages pour vraiment être opérationnel ce soir au niveau du coup du soir. La journée a été très chaude, par contre le vent a été relativement présent, donc malgré tout je suis assez confiant. Les couches d'eau ont été relativement bien brassées et je pense que ça a mis les poissons en activité. Donc là je termine de la préparation de mon stick mix. Donc sachant qu'il me reste 24 heures de pêche, je vais mettre quand même quelques particules sur le spot. Principalement du chêne vie et des tigers concassés. Donc ça aura surtout pour but de maintenir le poisson sur le cou et de le garder en activité. Et par-dessus, je vais encore ajouter également quelques bouillettes. Donc je vais expédier encore des banofies à l'ésistique pour vraiment qu'il y ait quelques bases solides sur le fond pour vraiment stimuler le poisson. Donc on va voir, on va tout faire pour. Il reste 24 heures de pêche. Mais dans l'ensemble, je suis confiant, je pense que la nuit risque d'être prometteuse. Arrive doucement sur le coup du soir, ça y est, le coup est amorcé. Pour le moment, il n'y a pas trop de signes d'activité, mais je pense que plus on va aller dans la soirée, plus les poissons vont se manifester. Et je pense une fois qu'ils vont descendre sur le fond, ça risque d'être pas mal. Ce que je tenais à faire également avant de replacer mes lignes pour le coup du soir, c'est de vous présenter rapidement le montage que je vais employer pour cette nuit. Donc, premier élément très important à mes yeux, c'est avant toute chose le flying backlead. Donc là, je pars quand même du principe qu'il y a pas mal de lignes à l'eau. Il y a une certaine pression de pêche tout de même. Et j'attache vraiment une importance particulière au plaquage de mes montages. Donc c'est un petit accessoire bien sympa qui me permet de plaquer le tout sur le fond et qui est très simple à utiliser en fait. Donc mon montage est tout d'abord composé de ce fameux flying backlead. Au niveau de l'anti-tangle, j'utilise de la gaine plombée Dark Matter. Donc ça, c'est vraiment également au niveau du plaquage sur le fond, c'est ce qui se fait de mieux à mes yeux. Un clip plomb classique, donc là équipé avec un plomb distance. Je pêche à une distance d'environ 60-70 mètres avec une petite chaussette de pellets. Donc j'arrive à atteindre facilement le spot. Chose importante à noter également, sur le spot que je pêchais précédemment, j'utilisais un poire plat. Car je pêchais vraiment un substrat assez mou, donc vraiment sur la vase. Et là, j'ai trouvé un spot vraiment intéressant, principalement constitué de sable. Donc il fait très bien l'affaire. Au niveau du bas de ligne, il doit faire environ 25 cm et il est constitué de entrap soft. Donc là, il est monté tout simplement en blowback, donc c'est très classique, hein, avec une petite chevrotine sur le cheveu qui sert à équilibrer ma petite banofie équilibrée. Et comme vous pouvez le voir, elle a une couleur un petit peu particulière.
Donc elle a trempé, elle a subi un petit trempage dans le goût à l'amande. Donc ça, c'est les petites haches qui me réussissent très bien en ce moment. Et donc voilà, le montage, c'est très simple. On va juste rajouter une petite chaussette de pelette là-dessus et on va expédier ça sur le spot. Ça fait maintenant 2 heures que j'ai terminé de spoder. Et là, en prenant un petit peu le temps d'observer sur mon cou, c'est même plus des bouillons qui remontent, c'est vraiment des fouilles monstrueuses. Oh, d'ailleurs, ça continue encore là. Bon. Logiquement, si tout se déroule comme prévu, je pense que le fait d'avoir bougé devrait payer dans la nuit. Oh là là, les fouilles. Tout est bien posé. Il n'y a pas de raison, je vois vraiment pas pourquoi ça fonctionnerait pas comme on l'a prévu.